Je vais vous donner quelques conseils pour jouer Le Lion est mort ce soir. L'air qu'on connaît tous du Roi Lion. Il n'y a que quatre accords, hein. Sol, Do. Il n'y en a que trois, pardon. Sol et Ré. Voilà, bon. C'est pas très compliqué. On va le jouer très simplement à la main gauche, hein, avec un balancement sur accord, hein, je vous rappelle, sur les temps. Donc un balancement sur les accords, sur les temps. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement pour le sol, ça donne ça. Un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Et on change. Voilà, bon, c'est pas très compliqué jusque-là. C'est à la main droite, peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal, mais si vous connaissez l'air, vous devriez pouvoir vous en sortir. C'est pour ça d'ailleurs que bon, ce tutoriel n'est pas forcément pour les tout débutants. Enfin. Voilà. Ça va être comme ça. À la troisième ligne, vous remarquez qu'il y a des triolets. Et puis à la quatrième ligne aussi. Il y a six notes en quatre temps, donc des triolets aussi. Donc il s'agit de faire passer trois notes ou six notes hein, en deux ou quatre temps. Ce qui est un peu compliqué. Mais faut le faire passer. Hein, par exemple, à la troisième ligne, donc la mesure 10. Hein, si je vous joue la mesure litigieuse. Hein, commence à la mesure d'avant, comme ça fait. Voilà, c'est. Comme chaque note dure deux tiers de temps, hein, c'est Do, Ré, Do, ce triolet là, c'est où il y a marqué 3. Donc chaque note dure deux tiers de temps, 0,66 temps environ. Ça veut donc dire qu'il faut. Donc, en même temps, je fais ma basse, mon troisième temps de l'accord de Do et ma première note, mon premier triolet. Et je dois faire le Ré juste avant de faire ça. Et après, je change d'accord. Donc, ça fait. Et c'est pareil pour la mesure 14, hein, ça fait. Donc je commence à mesure 13 comme ça. Voilà, faut le faire passer, hein, c'est comme ça. Et puis le sol, la main gauche, je le ferai plus bas. Parce que la main droite vient ici et bon ben, si vous avez peur que ça s'entrecroise, bon, ben, vous descendez la main gauche, comme on fait un accompagnement dynamique, ça devrait passer. Alors, je vous montre ce que ça donne en tout. On reprend à l'infini autant qu'on veut. Il est simple si vous avez l'habitude d'être triolé. Voilà. À bientôt pour un prochain tutoriel.